Nous espérons que vous attendez avec autant d'impatience que nous les qualifications en Hongrie. Elles promettent d'être passionnantes. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ces sorties de virages lents. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Une McLaren, Hamilton et Max Verstappen. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Très beau travail. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course. C'est toujours un plaisir de revenir sur le circuit très animé du Hungaroring, une destination populaire proche de la magnifique ville de Budapest où la course est reine. Comment oublier Michael Schumacher serrant à plus de 300 km/h son ancien coéquipier Rubens Barrichello contre le mur des stands en 2010, ou encore les courses incroyables de 2014 et 2015. Nous voici au nord-est de Budapest pour la course d'aujourd'hui sur le Hungaroring et ses 4,3 km. Ici se trouvent 14 virages, 8 à droite, 6 à gauche, et le niveau d'appui aérodynamique important joue un rôle décisif sur le comportement des monoplaces, mais rend les dépassements particulièrement rapides. À mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin. J'aimerais avoir votre avis sur Valtteri Bottas. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. McLaren part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Bottas, Sebastian Vettel et Magnussen.
Leclerc, Butler, Perez et Nico Hülkenberg. Albon, Norris, Daniil Kvyat et Weber, Gasly, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo, Kubica et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Démarre pas trop mal, surveille les attaques de tes adversaires. C'est maintenant disponible. Tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède. Thank you.
d'être barré au stand, tu chausseras des médiums. Avec le pilote de devant est de 3,5 secondes. D'arrêt au stand vient d'ouvrir. L'écart avec notre coéquipier est de 7,6 secondes. C'est le moment de hausser le rythme pour faire chauffer les gommes. Thank you.
rentre au stand. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,7 secondes. Giovinazzi est au stand. Tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Quelques infos au sujet de Vettel. Ils ont un problème apparemment. Voici l'écart avec notre coéquipier, 17,9 secondes.
Rattrape la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. Et on pense que tu devrais pouvoir continuer. Ça va un peu se ressentir sur les chronos, mais on est presque à l'arrivée. Tout porte à croire qu'ils ont résolu leur problème. Ils reprennent de la vitesse. Vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Attention, attention. Drapeau vert. Reste 5 tours de carburant. L'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Carburant.
premier tour en course, c'est ton dernier tour. Très beau travail. Nous sommes très heureux de décrocher un podium. Ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire de Mercedes. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Je pense que c'est Lucas Weber. Course après course, il nous prouve qu'il est capable de grandes choses et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Lucas a remonté beaucoup de concurrents pendant cette course. Quel est son secret? Votre adversaire direct est encore à votre niveau, d'après vous ? Merci pour votre temps. Beau travail ce week-end. C'était un plaisir de vous voir sur le podium.